Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous pour partager ce moment avec une formule un peu inédite. Je rappelle à toutes et à tous que cette émission est tournée dans les règles les plus strictes sanitaires. Donc je vous propose, à partir du moment où les gestes barrières sont adaptés et les distances aussi, d'enlever les masques. Merci. Un événement, comme vous l'avez remarqué, totalement inédit, qui réunit Bruno Arcadipane, président d'Action Logement Groupe. Bonjour Bruno. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous, accompagné de Philippe Langrand, vice-président d'Action Logement Groupe. Bonjour Philippe. Bonjour Sylvain. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être avec nous et bien entendu Nadia Bouillet, directrice générale d'Action Logement Groupe. Bonjour Nadia. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Très bien. Je suis ravi d'être avec vous. Vous le savez, madame, messieurs, vos paroles sont très attendues parce que nous avons eu, comme chacun le sait, une année intense au cours de laquelle le logement est devenu un sujet majeur. Alors, on va commencer par vous, Bruno Arcadipane. Merci d'être avec nous. Quelle est votre analyse de cette année 2020? Bonjour Sylvain. Tout à fait, je vais y revenir. Mais permettez-moi avant tout de souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une très belle année 2021. Et puis, surtout, beaucoup de joie, de liberté et de convivialité retrouvée afin que, à la fois sur nos sujets personnels ainsi que sur nos sujets professionnels, on puisse tous obtenir le succès escompté. Voilà, très bonne année. Oui, quelques mots sur 2020. Ça a été une année extrêmement compliquée pour l'ensemble des activités professionnelles et tout particulièrement pour le groupe Action Logement de par sa taille. Et je tiens à saluer aujourd'hui, évidemment, de nouveau, l'ensemble du travail effectué par les 18 000 salariés du groupe et les décisions qui ont été prises très vite par les partenaires sociaux, cette gouvernance très particulière et singulière du groupe Action Logement qui a été d'une efficacité redoutable. Efficacité redoutable dans sa prise de responsabilité. Dès le début de la pandémie, nous avons acté des choses fortes. Le paiement extrêmement rapide de l'ensemble des factures de nos partenaires. Au moment où toute la France était arrêtée, les partenaires sociaux travaillaient pour que le groupe puisse rebondir très vite. Nous avons été parmi les premiers à travailler sur la relance des chantiers. Pour que la production ne s'arrête pas, et on y reviendra certainement tout à l'heure, cette production a été exceptionnelle pour le groupe Action Logement dans une année extrêmement compliquée. Et nous avons également soutenu les salariés, nos locataires, à travers des aides et notamment l'aide au loyer impayé. Donc voilà, ce sont tous les sujets que nous allons évoquer durant cette heure, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci. À l'automne, les relations avec l'État étaient un peu tendues. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que vous avez rétabli le dialogue? Alors, tout d'abord, le dialogue n'a jamais été rompu avec l'État et particulièrement avec le ministre et le ministère du Logement. Nous venons d'entrer dans une période de négociation, négociation à deux niveaux. La première, qui va aider la relance de notre pays, c'est-à-dire le redéploiement d'une partie importante de notre plan d'investissement volontaire, qui, je le rappelle, faisait 9 milliards d'euros. Je tiens à remercier la directrice générale, notre nouvelle directrice générale, Nadia Bouillet, qui, depuis près de deux mois, travaille énormément à retrouver ce lien et ce dynamisme avec le gouvernement. Et puis, nous aurons une deuxième phase de discussion pour travailler, comme vous le savez, à une phase 2, on peut dire, de la restructuration du groupe et de sa gouvernance, afin d'avoir plus d'efficience, plus d'efficacité et plus de rapidité dans la mise en œuvre de nos projets. Alors, on comprend bien, Bruno Arcadipane, c'est très clair que les discussions sont en cours, que vous avez rétabli effectivement un dialogue constructif. Est-ce que vous pouvez très concrètement nous donner quand même quelques lignes fortes de l'action qui va être menée? Les sujets, vous les connaissez, l'effort de production, bien sûr, mais il faut également aujourd'hui regarder comment répondre aux nouveaux besoins d'habitat et l'ensemble des sujets qui ont été mis en lumière par cette pandémie.
Enfin, le développement à l'accession sociale, à la propriété, est évidemment au cœur des sujets. Et je le disais tout à l'heure, il y aura donc au printemps une deuxième étape donc, de la réforme de nos structures. Ça sera pour moi l'occasion de redire l'apport incontestable du paritarisme pour le logement des salariés, des entreprises et notre lien emploi-logement qui reste la colonne vertébrale de notre groupe. Alors merci Bruno, effectivement c'est très clair. Je vais m'adresser à vous, si vous voulez bien, Philippe Langrand, Action syndicale, militant de longue date, un attachement au paritarisme que vous partagez et qui est chevillé au corps, je suppose Philippe. Oui c'est vrai, je suis particulièrement attaché au paritarisme. Alors pourquoi ? Pour plein de raisons, mais sans doute deux essentielles. La première, c'est que le paritarisme est porteur de résultats et de résultats concrets pour les salariés. Et la deuxième raison, et je pense qu'on y reviendra tout au long de cette séquence, c'est que le paritarisme joue un rôle essentiel en termes d'amortisseur social et d'amortisseur économique. Alors cet attachement très fort, je crois pouvoir dire que je le partage avec l'ensemble des organisations patronales, l'ensemble des organisations syndicales de salariés, qui anime Action Logement au quotidien. Et c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que j'ai pris mes fonctions de vice-président, vous le rappeliez tout à l'heure, en septembre dernier. Et ma volonté, elle est finalement assez simple, c'est de mettre en œuvre cette belle notion d'utilité sociale qui est le fondement de nos engagements paritaires. Voilà les objectifs présents aujourd'hui. Alors on comprend bien effectivement cet engagement. Et je pense que vos publics en attendent toute l'efficacité. Tout le monde attend beaucoup d'Action Logement et quelque part c'est tout à fait justifié. Doit-on être plus efficace ? Sans doute. En tout cas, c'est ce que s'efforcent de faire les partenaires sociaux, être plus efficace. On est conscient de cela. On est conscient qu'il faut évoluer, qu'il faut sans doute se moderniser, mais en gardant comme base solide le paritarisme. Et puis on est résolu à maintenir ce modèle inséré dans l'économie sociale et solidaire. C'est un modèle qui fait ses preuves. Merci Philippe Langrand. Vous venez d'évoquer l'efficacité du groupe Action Logement. Ce que je vous propose, c'est qu'on visionne le bilan chiffré de l'année 2020 et on se retrouve tout de suite après. Bonjour Nadia Bouillet, je suis ravi d'être avec vous. Vous avez été nommée récemment à la direction générale d'Action Logement Groupe. La question s'impose, quelles sont vos priorités ? Deux choses pour résumer.
Nos impératifs cette année, c'est l'efficacité et l'exemplarité. Et notre périmètre d'action, c'est l'ensemble des territoires. Donc, pour cela, mes priorités, qui ont été élaborées par les partenaires sociaux, c'est trois principaux points pour moi et puis l'ensemble des 18 000 collaborateurs de notre groupe paritaire. Premièrement, l'intensification de la production et de la production de logement social, puisque notre pays compte aujourd'hui plus de 2 millions de demandeurs de logement social. C'est un impératif. Deuxièmement, l'accompagnement des personnes les plus fragiles, fragilisées par cette crise économique, mais également l'ensemble des jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, qu'il nous faut accompagner dans cette période difficile. Et enfin, c'est une action territoriale, vraiment au plus près du terrain, avec des solutions et des opérateurs concrets qui apportent des solutions problématiques logement et qui accompagnent les politiques de l'habitat des différents territoires. Et tout cela en étant exemplaire. Merci Nadia Bouyer. Nous allons justement, vous me permettez de faire cette transition, aborder dans le détail les trois points que vous avez évoqués, à commencer par un sujet majeur, c'est le sujet de la construction. Nous nous retrouvons pour cette séquence dédiée à la construction de logements abordables et de discuter aussi, d'évoquer cette question importante de la transition énergétique. Kumaran Pajaniraja, vous êtes avec nous. Vous êtes le directeur général d'Action Logement Immobilier. Bonjour. Bonjour. Et bonne année. Merci, bonne année. Merci. Alors, construire, au fond, Bruno Arcadipane, c'est le métier d'Action Logement. Dans le contexte que nous connaissons, avec les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, quelles en sont aujourd'hui, pour vous, les perspectives ? Alors, peut-être un mot du bilan d'abord. Dans un contexte difficile, historiquement difficile, la production du secteur a été au plus bas. Cependant, nous avons réussi, et je tiens à tirer un coup de chapeau à toute l'équipe de Kumaran et évidemment à l'ensemble des salariés de nos ESH, nous avons réussi à maintenir nos objectifs. C'est une performance très forte, une performance à noter dans le contexte de cette pandémie où il a fallu d'abord relancer les chantiers et ensuite avancer. Quelques chiffres importants. Nos mises en chantier, ça c'est du factuel. C'est plus de 34 000 logements en route en 2020. 34 000 chantiers, pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus 15% par rapport à 2019. Nous avons obtenu plus de 41 000 agréments. Les agréments, c'est le futur. C'est évidemment ces autorisations sans lesquelles nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire. Et donc les perspectives, c'est que grâce à tout ce travail qui a été réalisé en 2020, nous allons pouvoir engager une nouvelle accélération, une accélération de la production, parce que comme le soulignait en première partie Nadia Bouyer, il est impératif de construire plus et de construire mieux. Merci Bruno, c'est très clair. Nadia Bouyer, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes résolument optimiste ? Je suis résolument optimiste, oui, et je voudrais saluer le travail de l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées en 2020 pour la relance de l'ensemble des chantiers et rattraper ainsi les retards qui étaient liés à l'arrêt pendant le confinement de ces chantiers, tout ça dans le strict respect des mesures sanitaires qui s'imposaient à nous tous. Et vous dire là, non seulement mon optimisme, mais ma fierté, ma grande fierté sur la production de l'ensemble de nos filiales immobilières en 2020, qu'a cité Bruno Arcadipane, nous pouvons en être collectivement très fiers. Et ma fierté également pour le travail d'Action Logement Service, qui finance chaque année la production de logements sociaux et qui a été au rendez-vous. Et chaque année, le financement apporté par Action Logement Service aux bailleurs sociaux est très important. Il permet de financer en production neuve l'équivalent des logements d'une ville comme Amiens ou comme Rennes. Donc tout ça pour vous dire, nos objectifs ont été atteints dans cette année très difficile du fait du confinement, mais pas seulement, avec un contexte compliqué des élections municipales et un contexte financier aussi très contraint. Donc, objectif atteint.
Merci Nadia Bouyer. Je vous propose, pour illustrer le propos, que nous écoutions deux reportages, deux témoignages. D'abord Emmanuelle Cos, la présidente, toute jeune présidente élue à la tête de l'USH, Union sociale pour l'habitat, ainsi que d'Alexandra François Cuxac, la présidente de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. On se retrouve sur le plateau pour avoir vos réactions. La crise sanitaire, elle a été très impactante hein, sur le monde de la promotion immobilière. D'abord parce qu'elle a touché nos clients. Ensuite, on a été touché par nos chantiers. Ensuite, elle a pétrifié les promoteurs immobiliers eux-mêmes, leurs organisations. Hein. Nous sommes les chefs d'entreprise avant tout, avec des salariés. Et donc, ce premier confinement a été véritablement appris tout le monde de court. On a tout de suite appris à travailler différemment les uns les autres ensemble. Pour nous, bailleurs sociaux, ça a aussi été une année où justement, je crois qu'on a chercher à mettre en œuvre toutes nos missions, soutenir nos locataires, les accompagner dans cette période de confinement qui était extrêmement difficile, être présent auprès d'eux, dans les territoires. Et puis ensuite, et d'ailleurs c'est ce que nous avons fait à partir du printemps, nous avons travaillé à ce que serait une relance avant même que l'on soit sorti du confinement, ce qui a donné lieu à un travail très important justement de proposition pour relancer la production de logements, relancer l'activité économique, mais aussi comment être durablement en soutien de nos locataires, et y compris si leur situation de travail devenait plus difficile. On est face à une contradiction qui est que tout le monde reconnaît ce besoin d'être logé, d'être correctement logé, mais finalement, assez peu de gens font le rapport entre ce besoin et la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est quoi? C'est les logements anciens, la ville constituée, la ville existante. Et puis, c'est la construction de la ville de demain. C'est quand même cette production-là qui, depuis 2010, produit la mixité sociale. Avec les bailleurs, nous avons démontrer hein, cette capacité à travailler ensemble pour produire plus de mixité. Pour 2021 et pour les années qui viennent, ce qui est pour nous essentiel, c'est qu'on nous donne les moyens de construire les logements sociaux dont nous avons besoin. Et vous le savez, l'année 2020, de ce point de vue-là, n'aura pas été une bonne année, puisque nous craignons en fait d'avoir le pire chiffre de la production de logements sociaux depuis 15 ans. Mais je dois dire les choses très sincèrement. Ce n'est pas en raison du Covid que nous avons une production de logements sociaux si faible. Nous avons été mis en difficulté sur des enjeux financiers avec des ponctions de l'ensemble des bailleurs sociaux, comme vous le savez. Nous n'avons pas toujours été soutenus par les élus et les pouvoirs publics pour produire du logement abordable. Nous avons besoin d'un soutien politique qui nous permette pendant au moins 10 ans d'avoir une production de logements sociaux qui est au moins à 120, 130 000 logements chaque année. Chaque année, nous devons produire beaucoup et nous devons aussi en même temps réhabiliter nos logements. Sur la réhabilitation, on est plutôt soutenu, plutôt entendu, mais c'est aussi un métier que nous faisons depuis longtemps et nous avançons très progressivement. Ce qui pose question aujourd'hui, c'est vraiment ce sujet du dialogue entre des habitants déjà en place, des élus qui ont un projet urbain et qui sont parfois bien en peine pour le mener à bien, des promoteurs dont c'est le métier de bâtir, de construire cette ville durable, et un État qui est là pour partager une vision commune de ce que va être la France de demain, la France en 2020, en 2030, en 2040. Je pense qu'Action Logement peut jouer ce rôle de fédérateurs, de mobilisateurs. Et il va bien falloir qu'on trouve un consensus tous ensemble dans les territoires pour pouvoir le produire. Merci d'être avec nous toujours pour cette séance inédite. Alors, on vient de l'entendre, Bruno Arcalibane, le besoin de production de logements en France est majeur. J'aimerais avoir votre réaction sur ce qui a été dit entre Emmanuelle Cos et Alexandra François Cuxac. Je tiens tout d'abord à remercier Emmanuelle Cos et Alexandra François Cuxac pour leurs mots. Les deux analyses sont extrêmement justes. D'ailleurs, ces analyses sont totalement confirmées par les remontées que nous avons du terrain. Comme vous le savez, Action Logement est très implanté et nous avons, à travers nos comités régionaux, nos comités territoriaux, des remontées extrêmement fluides, rapides et transparentes. Et donc, nous partageons totalement ce qui a été dit. Évidemment, parmi les besoins qui ont été cités, il y a un besoin énorme de réhabilitation. Et donc, le groupe a aussi une politique très, très claire sur ce sujet. Alors, parlons-en justement des réhabilitations évoquées par Emmanuelle Cos. Une partie du patrimoine social en a bien besoin. Alors, si je devais qualifier pour faire une analogie, on pourrait dire que ça a besoin d'un bon coup de peinture, Philippe Langrand. Oui, on peut dire ça. Et d'ailleurs, Sylvain, on fait sans doute plus que de donner un bon coup de peinture.
Mais ceci dit, et plus sérieusement, Emmanuel Causse a raison d'insister sur les réhabilitations. Et la question des réhabilitations, elle est traitée d'ailleurs depuis très longtemps par Action Logement. L'an dernier, ce sont près de 25 000 logements qui en ont bénéficié. Ça veut donc dire que plus de 70 000 personnes vivent mieux aujourd'hui dans leur immeuble, parce que les parties communes ont été refaites, parce que les espaces verts ont été revus, parce que les systèmes de chauffage ont été réhabilités. 70 000, c'est un chiffre. Mais derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes. Et ça veut donc dire que 70 000 hommes et femmes vivent mieux aujourd'hui qu'ils ne vivaient hier dans leur immeuble et dans leur appartement. C'est essentiel parce que vivre mieux, c'est aussi travailler mieux et se sentir mieux dans son travail et dans son emploi. On retrouve le fameux lien emploi-logement dont on parlait tout à l'heure. Alors la réhabilitation, c'est donc un impératif pour Action Logement, puisqu'on détient un peu plus d'un million de logements, nous l'avons vu tout à l'heure, et c'est donc un marqueur très très fort de notre engagement en faveur des locataires salariés. Merci Philippe Langrand, c'est très très clair. Kumaran Pajeniraja, vous êtes le directeur général d'Action Logement Immobilier. J'aimerais, en complément des questions qui ont été posées, c'est comment Action Logement va aborder cet impératif nécessaire du logement abordable et du développement durable. Alors les enjeux du développement durable sont naturellement des enjeux de premier plan au sein du groupe Action Logement. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est renforcer notre exemple maritime environnemental sur les questions du logement. En premier lieu, nous souhaitons accélérer la production verte de logements neufs. Nos filiales immobilières, de logements sociaux comme de logements intermédiaires, vous le savez, sont déjà très investies dans la production de logements dépassant les standards réglementaires, en mobilisant les énergies renouvelables, les écomatériaux. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est intensifier cette transition. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est accélérer cette transition vers le bas carbone. Ensuite, ce que nous souhaitons, c'est également renforcer la rénovation énergétique de notre parc de logements. La rénovation énergétique, c'est bien sûr quelque chose qui contribue à lutter contre les gaz à effet de serre, mais c'est aussi un enjeu de pouvoir d'achat pour nos locataires. Donc, nous nous sommes fixés l'objectif d'éradiquer le passoire thermique de notre parc de logements d'ici 2023. Nombre de nos filiales sont déjà sur une trajectoire 2022, mais nous allons vraiment intensifier notre action sur ce champ-là. Il en va là aussi de notre exemplarité environnementale. Et enfin, c'est important, nous souhaitons faire rimer cette transition énergétique avec emploi de proximité. Nous souhaitons faire rimer cette transition écologique avec innovation. Et c'est donc toute une opportunité de transformation des filières professionnelles gravitant autour du secteur du logement, les filières de l'énergie, du digital et bien évidemment du bâtiment, nous allons accompagner vers la décarbonation de la société. C'est ainsi, dans le cadre de ces orientations, que le groupe souhaite assumer sa responsabilité sociale et environnementale au service des locataires, au service de nos partenaires et bien sûr au service des territoires. Merci à tous les quatre. Je vous propose que nous abordions maintenant le deuxième volet essentiel de l'activité d'Action Logement, l'accompagnement des salariés. Et nous accueillons sur cette question Olivier Ricot, directeur général délégué d'Action Logement Service. Et si vous le permettez, j'en profite pour saluer Jean-Michel Royot, le directeur général d'Action Logement Service, qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu se joindre à nous. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Pour commencer, je vous propose, mesdames et messieurs, d'écouter Michaël Nogal, le député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, qui a été récemment élu par Emmanuel Wargon à la tête du Conseil national de l'Habitat, ainsi que de Jean-Marc Torollion, le président de l'AFNIM, et on réagira tout de suite après. Dès le début de la crise, le gouvernement et Action Logement se sont mobilisés pour répondre aux besoins des ménages les plus modestes, avec des aides pour lutter contre les impayés et puis des aides justement aux allocataires des APL et du RSA. Tout ça pour, j'allais dire, pallier évidemment aux baisses de revenus que peuvent connaître les Français dans cette période de crise. Et c'est aussi le sens de la réforme des APL en temps réel qui vise à s'adapter le plus possible aux revenus des ménages. Et y compris quand il y a des baisses de revenus parce qu'il peut y avoir une perte d'emploi, eh bien les aides seront de même plus importantes pour ces publics. Donc, y compris dans les prochains mois, en 2021, le gouvernement, et je sais pouvoir compter sur Action Logement, pour être au rendez-vous de ces ménages. D'un côté, on a des acteurs du service de logement, que sont chaque propriétaire ou chaque bailleur, qu'il soit social ou privé. Et d'un autre côté, on a un besoin de logement qui s'exprime. Et ce qui est central, évidemment, c'est la confiance dans le paiement. Mais aussi, sans doute, il faut aller plus loin. Il faudrait peut-être revisiter la façon dont un propriétaire
donne accès à son logement. Et la façon dont notamment les professionnels, pense à Action Logement, mais je peux penser aussi aux administrateurs de biens que je représente, peuvent donner accès au logement. Pour réconcilier les propriétaires et les locataires en France, le nœud à résoudre, c'est la sécurisation des revenus locatifs des bailleurs et la sécurisation des biens. Et Action Logement, notamment grâce à la garantie visale qui s'adresse plus particulièrement aux moins de 30 ans, répond à ce besoin des propriétaires. On voit que cette garantie visale, elle se développe beaucoup. Je pense qu'on peut aller plus loin parce que c'est par cette sécurisation qu'on fera revenir des logements sur le marché et qu'on recréera un climat de confiance entre les propriétaires et les locataires. En France, il y a une particularité, c'est que le parc privé locatif, traditionnellement, c'est le parc des jeunes. Et donc pour moi, une des clés, c'est quand même de permettre de développer la garantie visale sur toute cette catégorie de population. La clé, c'est aussi une compréhension de la part des bailleurs dans Visal, et ne sous-estimons pas que les jeunes, c'est quand même une clientèle, parlons client, très importante pour le parc privé locatif. Merci, vous êtes toujours avec nous pour cet exercice inédit 100% digital. Vous l'avez tous les trois pointé dans vos propos, la crise sanitaire, économique puis sociale a révélé un fort besoin d'accompagnement dans les projets des salariés, notamment les salariés les plus fragiles. Concrètement, quels sont les projets qui vous animent sur ce sujet, Philippe Langrand? Oui, Sylvain, vous avez tout à fait raison. L'accompagnement est essentiel dans la période que nous traversons. Dans un premier temps, je pense qu'on peut dire, on peut être fier du travail qu'a réalisé Action Logement dans cette période, des résultats qu'on a pu obtenir à l'adresse des entreprises et des salariés. Action Logement a su être actif et réactif, et ce, dès le début de la crise, puisque dès le mois de mars, de l'année dernière, nous avons élaboré et mis en œuvre une aide à l'adresse des salariés et à l'adresse des salariés les plus fragiles, les plus en difficulté, afin que ces derniers puissent faire face à leur charge de logement, qu'ils soient locataires ou propriétaires. Alors je rappelle brièvement le principe de cette aide, 2 x 150 € pour les salariés qui ont connu du chômage partiel et une aide jusqu'à 900 € pour ceux qui ont perdu leur emploi durant cette période de crise. Et le chiffre obtenu à l'heure qu'il est, il est très important puisqu'il est de l'ordre de 100 000 personnes qui ont pu bénéficier de cette aide exceptionnelle, ce qui n'est pas rien. Action Logement est un véritable amortisseur de la crise sociale et cela est fondamental, vous vous en doutez bien, pour les organisations syndicales qui œuvrent au quotidien au sein d'Action Logement. Et puis je ne peux pas être sans citer bien sûr un certain nombre d'actions de solidarité qui sont menées par des gens de terrain, comme on dit souvent, qui œuvrent au quotidien dans la proximité, dans l'accompagnement, dont on parle assez peu, qu'on a mis un peu en exergue durant cette crise. Je pense par exemple aux conseillers sociaux, aux responsables locatifs, aux gardiens, sans doute d'autres encore, qui ont une vraie action de veille, d'écoute et auprès des locataires isolés ou fragilisés. Vous évoquez, Philippe Langrand, les publics fragilisés par la crise. Parmi eux se trouvent également les jeunes dont on sait qu'ils payent le prix fort. Benoît Cadipane, je sais que vous y êtes très attaché. Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre sur le sujet? Nous y sommes tous très attachés, les jeunes étant le futur de nos entreprises, le futur de notre pays, évidemment ça a toujours été une priorité. Cependant, cette période extrêmement difficile que l'on vient de traverser, cette année 2020 a mis en exergue toutes les difficultés, toutes les problématiques que les jeunes rencontrent. Et nous avons répondu là aussi, présent, à travers un produit que beaucoup d'entre nous connaissons dorénavant, qui est Visal. Visal qui prend vraiment son essor, puisque ce sont 380 000 passeports Visal qui ont été délivrés depuis sa création. Et surtout, c'est un produit qui augmente de 25% par an, dont la notoriété et l'efficacité n'est aujourd'hui plus à prouver. Alors, vous avez évoqué effectivement le logement des jeunes, il faut savoir qu'à partir du toit, c'est là que le projet de vie professionnel se construit, avec les entreprises, et c'est bien des entreprises dont on va parler. Je vous propose à toutes et à tous que nous écoutions leurs attentes. N'ayez pas la perception ou la sensation que la question du logement n'est pas un sujet prioritaire pour les entreprises. Il faut effectivement que nos salariés aujourd'hui puissent avoir et trouver le logement nécessaire à ce qu'ils souhaitent. La capacité aussi à avoir des logements sociaux de qualité pour nos opérateurs de fabrication, ça c'est quelque chose qui est important. Michelin, c'est 20 000 salariés en France.
C'est 300 mobilités, c'est 800 recrutements par an, c'est 600 alternants. Dans ce cadre-là, Action Logement a toute sa place. Les actions menées avec Action Logement sont nombreuses. Elles sont très variées. Ça va de l'accès aux logements classiquement qui sont connus avec effectivement la possibilité de louer des logements à des prix privilégiés, plus près du lieu de travail du collaborateur, plus confortable, mais également avec des cautions qui peuvent être aidées ou des prêts. L'année dernière, l'un de nos nouveaux employés recherchait une solution dans le cadre de sa mobilité interrégionale en vue de s'implanter à Avallon, en Bourgogne-Franche-Comté. Action Logement l'a à ce moment-là accompagné avec son dispositif MobiliPass pour l'aider à trouver ce nouveau logement. On a besoin de vous parce qu'une fois qu'on a décidé d'investir au cœur des territoires, Gaillac par exemple va avoir besoin de chimistes spécialisés en extraction, il va falloir les attirer. Et dans les solutions pour les attirer, il nous faut avoir des solutions logement. Donc on a besoin d'Action Logement localement pour venir relayer en matière de logement des investissements qu'on décide de faire au cœur de nos territoires. L'accompagnement d'Action Logement est extrêmement important dans, par exemple, la recherche de logement pour nos nouveaux salariés. L'accès au travail et le logement, c'est un élément, on va dire, totalement déterminant en fait, hein, de la relation entre le salarié et l'entreprise qui l'emploie. Donc effectivement, le logement et l'accès au site de production sont vraiment deux thématiques extrêmement importantes pour le développement économique. Action Logement peut nous aider dans nos recrutements et fidélisations d'alternants. Un jeune alternant aujourd'hui se retrouve avec des frais de double logement et des kilomètres à parcourir. Et là, Action Logement pourra nous aider à innover pour pouvoir finalement les trouver, les fidéliser et les recruter en parfaite harmonie avec eux. Olivier Ricot, directeur général délégué d'Action Logement Service, allez-vous, dans les semaines à venir, développer de nouveaux dispositifs pour accompagner les salariés modestes ? Alors effectivement, soutenir les salariés modestes, pour reprendre les propos de Bruno, c'est dans l'ADN d'Action Logement. À titre illustratif, je pense au pré-accession. Le pré-accession, c'est un produit qui est historique, qui est incontournable dans notre offre de services. Nous l'avons revisité. On l'a revisité au travers de deux critères. Le premier critère, c'est celui d'augmentation donc du montant que l'on va financer. Donc, on va financer jusqu'à 40 000 euros d'une part, et d'autre part, on a abaissé le taux à hauteur de 0,5% pour se mettre en cohérence avec un contexte de marché que vous connaissez tous, ou des taux qui sont relativement faibles. Après trois mois de ce lancement de nouveaux produits, on peut considérer que les demandes ont été multipliées par presque 3, et ce qui prouve tout le succès, j'allais dire, tout l'intérêt de ce produit et qui a retrouvé au final toute son attractivité. Extrêmement important ce que vous dites, et Nadia Bouillet, vous vouliez compléter la réponse d'Olivier Ricot. Pour aller dans le sens d'Olivier, je veux juste souligner un point, c'est que ce prêt, il aide à passer du statut de locataire au statut de propriétaire. Et en cela, il favorise la mixité sociale. Et notre responsabilité, c'est aussi de favoriser la diversité des statuts résidentiels. Notre responsabilité, on l'a vu, c'est d'accompagner. Et vous avez bien vu que c'est à chaque fois à travers des dispositifs qui ont du sens, qui sont concrets et opérationnels. Et je pense que Bruno, Philippe et Olivier l'ont bien montré, que tous ces dispositifs convergent dans le sens de notre utilité sociale pour accompagner les salariés. Merci beaucoup Nadia Bouillet, merci Olivier Ricot, directeur général délégué d'Action Logement Service, Bruno et Philippe. Je vous propose maintenant d'aborder une séquence importante, elle est dédiée au territoire. On se retrouve tout de suite. Pour cette troisième partie, nous retrouvons toujours Bruno Arcadipane, président du groupe Action Logement, Philippe Langrand, vice-président d'Action Logement Groupe, ainsi que Nadia Bouillet, directrice générale d'Action Logement Groupe. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose que nous visionnions des témoignages d'élus locaux qui sont aux manettes dans les territoires et qui en disent long sur le rôle d'Action Logement dans les territoires et sa revitalisation. On se retrouve tout de suite après.
Action de cœur de ville, pour nous, c'est une vraie chance, puisque ça nous a permis de mettre autour de la table un certain nombre de partenaires, dont Action Logement, la Banque des Territoires, l'État, l'ANA, et donc des financeurs potentiels. Nous avons, avec Action Logement en particulier, signé une convention qui va nous permettre, dans les années qui viennent, de réhabiliter un certain nombre de bâtis que nous avons identifiés ensemble. Souvent, on a des structures avec lesquelles, tant que vous leur demandez rien, vous avez le sentiment que tout est possible. Et puis le jour où vous leur demandez quelque chose, vous vous rendez compte que rien n'est possible. Et bien là, on avait une structure qui m'avait dit, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter quand il y a des sujets particuliers. On peut mener des choses, on peut les inventer, les innover avec vous. On a posé la question et la solution a été trouvée, donc bravo. Et la problématique des cœurs de ville, comme ça peut s'exprimer dans l'ANRU, dans les opérations cœurs de ville, sont des situations qui touchent toutes les mairies, toutes les édilités. Et par conséquent, nous avons besoin d'avoir à nos côtés à la fois des opérateurs techniques, mais des opérateurs également financiers, qui soient en capacité de nous aider dans la conceptualisation et de la mise en œuvre de nos différents projets. Action Logement, en l'occurrence, est un partenaire incontournable pour permettre à toutes les collectivités, en tout cas celles qui sont engagées dans le renouvellement urbain, eh bien, peuvent s'appuyer sur la dynamique d'Action Logement. Action Logement est extrêmement utile. Paris est un territoire dans lequel on a beaucoup d'emplois. Tout le travail que nous menons avec Action Logement en matière de logement social comme en matière de logement intermédiaire vise à faire en sorte que les salariés, notamment les salariés du privé, puissent vivre à Paris, puissent vivre à proximité de leur lieu de travail. Et pour ça, on a besoin d'Action Logement, on a besoin d'une intervention aussi de la ville, on a besoin de travailler ensemble et je suis heureux que nous le fassions. On a signé une convention avec Action Logement parce que Action Logement est un partenaire dans la politique de logement qu'on va conduire. Ça participe à une dynamique, ça participe à une politique d'investissement et donc de création d'emplois. La métropole dans ses murs est un concept qui est dépassé. C'est-à-dire qu'il ne faut plus raisonner à cette échelle-là, il faut raisonner à une échelle beaucoup plus large. Dole a lancé un projet Cœur de Ville depuis 2014. Désormais, nous avons besoin d'un acteur supplémentaire sur un certain nombre d'immeubles qui ont des logements vacants et des commerces vacants en rez-de-chaussée. Et on va le faire avec Action Logement, qui va nous permettre cette fois-ci d'aller plus loin dans notre démarche sur cette question des rénovations des logements. Voilà, de retour sur le plateau, Bruno Arcadipane, comment répondre à ces élus? Quelles sont les réponses que peut apporter Action Logement? Les territoires sont l'une des clés de notre réussite, l'une des clés qui sera également favorable à la sortie de crise du pays. Le reportage le montre très bien, les élus locaux sont très impliqués dans le logement. On a vu des présidents de région, des maires de droite, de gauche, du centre, vert, etc. L'ensemble des élus locaux sont très impliqués. Le groupe Action Logement est structuré pour répondre à ces besoins. Nous avons des directions régionales sur l'ensemble des territoires, hexagonaux mais également ultramarins. Nous avons également des élus, des mandataires qui travaillent sur tous les territoires, de Mayotte à Paris, de Pointe-à-Pitre à Châlons-en-Champagne. Les CRAL, les comités régionaux d'Action Logement, les comités territoriaux d'Action Logement, ainsi que les 56 filiales immobilières sont partout à l'écoute, c'est une écoute constante et dynamique pour répondre aux besoins des élus. Alors, Nadia Bouillet, je m'adresse à vous, si vous voulez bien, comment se manifeste au quotidien cette coopération? Déjà, ces résultats, ce n'est pas le fruit d'un coup de baguette magique ou d'une pensée venue d'en haut. C'est vraiment un travail de terrain, un travail collaboratif de terrain et qui est vraiment notre force parce que derrière ces coopérations, on a un certain nombre d'outils opérationnels qui sont proposés en fonction des problématiques des territoires. Donc, je vais prendre quelques exemples. La création de la foncière de transformation immobilière, qui est un outil dédié à la transformation de locaux vacants en logements, qui peut accompagner cette problématique. Un autre exemple qui a été très bien illustré dans le reportage qu'on a vu, ce sont les territoires d'outre-mer, avec un investissement très fort d'Action Logement dans le cadre du plan d'investissement
engagement volontaire. Et ce sont déjà plus de 190 projets qui ont été accompagnés et 10 000 logements dont on accompagne les financements dans ces différents territoires outre-mer, avec chacun leur spécificité. Enfin, quant aux d'autres sujets vraiment très importants en termes de politique du logement et de l'habitat, ce sont les logements dits logements indignes. Et on a développé avec l'association Foncière Logement le programme Dineo qui vise à traiter cet habitat et à le transformer, le remettre à niveau avec des logements de qualité qui sont proposés à des salariés. Alors, vous avez évoqué le programme d'Ineo. Eh bien, écoutez, je vous propose de mieux le comprendre au travers du témoignage du maire de Marignane. Notre enjeu prioritaire est d'offrir une possibilité de logement aux Marignanais qui aujourd'hui sont en attente et en souffrance. Au terme d'un protocole signé le 22 janvier 2020, la ville cédera les emprises foncières et les droits à construire à Foncière Logement, qui investira quant à elle 34 millions d'euros sur le territoire, en créant des logements locatifs libres à destination des salariés des zones d'emploi proches. Dineo Foncière Logement s'est positionné comme un véritable partenaire pour la réussite d'un projet de requalification du centre historique et de ses abords. Cet investissement massif permettra à notre collectivité, mais également à nos entreprises dont Airbus, d'envisager la consolidation du lien entre emploi, logement et cadre de vie avec des logements de qualité dans un centre historique entièrement réhabilité et dynamique. Extrêmement intéressant ce que nous dit le maire de Marignane. Et la crise du Covid a également considérablement modifié en profondeur la vision des Français concernant les villes moyennes. J'aimerais avoir votre avis sur cette question. Il semble effectivement que les citoyens et les salariés, dans une grande majorité, semblent attirés de plus en plus par les villes moyennes. Et le Covid, d'ailleurs, a accentué ce phénomène. En tout cas, c'est ce qui rend ce programme Action Cœur de Ville pertinent. Mais j'ajoute qu'au travers de ce dispositif et de ce programme, et le petit reportage l'a bien démontré, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Bien sûr, les salariés, bien sûr, les entreprises, mais les territoires. Et au sein même des territoires, les villes, et au sein même des villes, les centres-villes, dont je le redis, qui connaissaient l'exode et la fermeture de nombreux commerces. Donc au final, en améliorant la situation des salariés au travers du logement, on améliore aussi la qualité du territoire, des centres-villes et des villes. Merci Philippe Langrand. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, Bruno Arcadipane, est-ce que vous pouvez illustrer par des exemples ce que vient de nous décrire Philippe Langrand avec cette fameuse action Cœur de Ville? Alors des exemples, on en a beaucoup, hein, peut-être des opérations emblématiques. Je démarrerai par Pau, où on a un programme très ambitieux avec Action Cœur de Ville. On a un programme à Annonay, où on vient de faire une offre pour réaliser 40 nouveaux logements dans 8 immeubles. Et enfin, Beauvais, peut-être comme exemple, où 6 programmes enclenchés vont nous permettre de réhabiliter 60 logements totalement neufs et nouveaux, qui nous permettra d'avoir une offre sur ce territoire totalement différente des autres. Alors, c'est très concret. Merci, Bruno Arcadipane. Alors, des sénatrices ont présenté, il y a quelques semaines, un rapport qui éclaire sur le rôle décisif d'Action Logement dans les territoires. Valérie Létard, sénatrice du Nord, vice-présidente du Sénat, nous en dit plus. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. Le logement agit à deux niveaux. Évidemment, la question de l'accès du logement à des salariés qui, en période de crise sanitaire, sont encore plus en fragilité. Action Logement a un rôle déterminant à jouer. Continuer à avoir une dynamique de construction de logements, de remise en état, de rénovation thermique des logements, est encore plus indispensable dans des périodes de crise. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle période, un nouveau mandat local, des intercommunalités structurées. Il y a eu un coup de frein au démarrage de la crise. Aujourd'hui, au contraire, les collectivités ont envie de s'engager dans les projets. Ils ont besoin aussi d'acteurs, mais pour être plus efficace demain, il faudra qu'Action Logement soit encore plus proche des territoires et travaille en bonne intelligence, en partenariat autant avec l'État qu'avec, bien sûr, les collectivités locales qui vont devoir mettre en œuvre ces politiques du logement. Action Logement, c'est le cœur du dispositif des politiques du logement. Remettre en question un outil de cette envergure en pleine crise, ça voulait dire donner un grand coup d'arrêt. Aujourd'hui, Action Logement est en cours de négociation. La mission d'information a rendu ses conclusions avant les fêtes de Noël. Aujourd'hui, elle s'est transformée en
comité de suivi. Et ce que veut le Sénat au travers de cette commission de suivi, c'est pouvoir avoir des échanges permanents sur la façon dont se passent les discussions, dont les perspectives se mettent en place pour l'ensemble des partenaires de la politique du logement. Pour nous, il est important que les partenaires sociaux, le paritarisme, soient toujours au cœur du dispositif. C'était aussi un élément et un message fort qui avait été passé collectivement. Les choses s'organisent et en tout cas, nous serons, nous, très attentifs au Sénat à ce que les choses se passent dans l'intérêt général, en bonne intelligence et au service et au bénéfice des territoires. La sénatrice Valérie Létard, je m'adresse à vous, Nadia Bouillet, nous rappelle très clairement la complexité des enjeux. Est-ce que vous pensez que la question du logement est durablement modifiée par la crise que nous traversons ? Alors, je pense que la question de toujours construire davantage, elle se pose aujourd'hui. On a bien vu l'enjeu de construire encore plus de logements abordables. Mais il y a deux nouvelles questions qui se posent cette année de façon assez particulière. C'est comment construire et c'est où construire. Après cette période de confinement qu'on a tous vécu en 2020, on a vu que ce qu'on considérait dans les logements comme des surfaces annexes, les balcons, avoir un jardin intérieur ou avoir des espaces communs, ces surfaces qu'on appelle annexes, elles devenaient essentielles. Et donc, ça nous interpelle sur notre façon de construire demain, de prévoir peut-être des aménagements un peu différents pour pouvoir travailler à la maison, de prévoir aussi ces balcons, de prévoir des espaces communs. Donc, c'est un nouvel enjeu qui se pose à toute la filière de la construction. La deuxième question, c'est où construire. On a vu aussi pendant la crise sanitaire, ceux qui devaient se lever, qui sont les travailleurs clés, qui sont allés, je pense aux soignants, je pense à tous ceux qui travaillent dans la grande distribution notamment. Et donc il y a un enjeu très fort là de rapprochement entre le lieu de domicile et le travail. Et d'un autre côté, on a vu aussi le développement du télétravail qui va rentrer petit à petit, même de façon massive, dans nos modes de travail. Et là, la question de l'habitat se pose différemment et on va peut-être avoir des choix de vie. Il faut s'adapter et avoir des offres de logements qui sont sans doute plus spacieux dans ces cœurs de ville moyennes et peut-être des offres de logements de qualité, mais plus temporaire dans les cœurs de métropole où les télétravailleurs vont venir de temps en temps. Donc je pense que ça, cette année 2020, nous fait poser de nouvelles questions en termes de construction. Alors si on veut être complet, Nadia Bouillet, dans ce tour d'horizon, on peut aussi évoquer le renouvellement urbain. Ah oui, tout à fait. Alors Action Logement, vous savez, est très engagée pour le renouvellement urbain, puisque Action Logement finance les trois quarts des programmes nationaux de rénovation urbaine, le premier et puis le nouveau programme, et que nous disposons avec l'association Foncière Logement d'un acteur très important pour la mixité dans ces quartiers qui sont rénovés et financés par l'ANRU. Alors, mixité sociale, renouvellement urbain, un sujet qui a été porté aussi longtemps par Jean-Louis Borloo, ancien ministre d'État. Je vous propose qu'on l'écoute avant de passer à la prochaine séquence. Il n'y a rien de plus important au monde que de bien loger. Mais bien loger, c'est bien loger dans un environnement apaisé, paisible, humain. Le nombre de femmes seules avec enfants... Enfin, c'est la triple ou la quadruple peine, hein, le mal logement. Alors on est déjà en situation de précarité. Si on l'est aussi en matière de logement, c'est dramatique. J'ai été très touché que dans la crise du Covid, Action Logement ait décidé de faire une prime pour un certain nombre de locataires, cette prime Covid. Et moi, j'ai un attachement particulier puisque à une époque, c'est grâce à Action Logement qu'on a lancer la rénovation urbaine de nos quartiers, qu'on n'a pas terminé. La rénovation urbaine est financée essentiellement par Action Logement. C'est ça la réalité. Alors selon les dossiers, il y a un peu de tel département, de telle région, etc. Mais, et de quelques organismes. Mais fondamentalement, c'est Action Logement. C'est une extraordinaire machine. Action Logement a fait des exploits. 2021 est l'année qui redémarre avec une gouvernance stable. Il faut maintenant que le président Arkadi Pane, le conseil d'administration, la direction générale et les parties prenantes se posent pendant 3-4 mois pour redéfinir le contrat de confiance. Et donc il faut avoir un regard
clair, puissant, à 10 ans. C'est un outil de la nation géré par ce paritarisme. La vraie question, c'est rebâtir ce contrat de confiance. Et je vous propose que nous nous enchaînions sur la dernière séquence où nous allons accueillir la ministre du Logement, Emmanuelle Bargon. Nous arrivons au terme de cette émission, mais j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau la ministre du Logement, Emmanuelle Bargon. Vous êtes avec nous. Bonjour, Emmanuelle Bargon. Bonjour. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci, et ça fait plaisir de pouvoir se dire meilleurs vœux tous ensemble, réunis dans la même pièce. Et donc, meilleurs vœux aussi, bien sûr, aux spectateurs. Alors, Madame la ministre, la première question que j'ai envie de vous poser, quelle est la place du logement dans le plan de relance que vous avez présenté ? La place du logement, elle est essentielle dans l'économie. Elle est essentielle dans les besoins des Français et donc elle est importante dans le plan de relance. On a beaucoup parlé de la partie rénovation, mais il y a aussi tout un soutien à la construction neuve qui est à la fois dans le plan de relance et dans la loi de finances pour 2021. Je vais commencer par le soutien à la construction neuve, soutien aux maires qui s'engagent sur des projets qui sont un petit peu denses, réhabilitation des friches, mais aussi maintien du modèle fiscal, et c'est probablement ça le plus significatif, avec prolongation du prêt à taux zéro, mais aussi prolongation des avantages Pinel. Et on est en train de travailler sur le logement intermédiaire, qui est aussi un des sujets sur lesquels Action Logement intervient. C'est important parce qu'on est en retard sur la production de logements sociaux, et ça fait partie des sujets sur lesquels nous discutons actuellement avec Action Logement, pour voir comment, en complément de ce que l'État a fait dans le cadre fiscal et le cadre réglementaire, on peut soutenir ensemble une relance du logement social dont on a vraiment besoin. Cette année, on n'atteindra même pas totalement les 90 000 agréments de logements sociaux. C'est très en deçà des besoins. Deuxième axe, la rénovation énergétique des bâtiments. L'État met beaucoup d'argent, hein, 7 milliards dans le plan de relance. C'est une politique qui est utile pour la planète, pour l'activité, pour nos artisans et aussi à titre social, puisque c'est beaucoup lutter contre la précarité énergétique. Là, l'État est massivement au rendez-vous, y compris d'ailleurs sur le segment du logement social, avec 500 millions pour réhabiliter. Et puis enfin, la protection des plus fragiles, avec des crédits dans le plan de relance pour l'humanisation des centres d'hébergement et hors plan de relance, mais dans l'effort économique que nous faisons, un énorme effort d'ouverture de places d'hébergement qui doit se traduire par un accès au logement, dont cette politique s'appelle Logement d'abord. Et là aussi, Action Logement est un interlocuteur de référence pour passer de l'hébergement au logement. Merci, Madame la ministre. Une réaction, Bruno Arcadipane ? Nous sommes surtout très heureux que le logement, et le logement social en particulier, prenne évidemment toute sa place et l'ampleur qui est la sienne. Et cette pandémie nous fait revoir, redécouvrir en tout cas, le besoin d'espace et l'envie d'avoir un logement et un logement joli et confortable. Merci Bruno. Philippe Langan, vice-président d'Action Logement Groupe, une réaction par rapport à ce que vient de nous dire la ministre Bargon. Oui, je crois pouvoir dire que je partage bon nombre des propos qui ont été tenus par Madame la ministre, à savoir que le logement est essentiel, plus que jamais aujourd'hui. Il l'était déjà, mais la crise a aggravé les difficultés pour bon nombre de salariés pour se loger. Donc le logement doit être essentiel, il doit être essentiel dans le plan de relance. Il est essentiel, bien sûr, au cœur des politiques d'Action Logement, et vous le savez. Et donc, l'équilibre est à trouver entre les politiques publiques et les politiques menées par Action Logement pour trouver les meilleures solutions à l'adresse des salariés, bien évidemment, mais plus généralement aussi à l'adresse des citoyens. Alors, moi, j'ai le plaisir d'être avec, d'une part, la ministre du Logement, dont on sait qu'elle est toujours très directe. Hein. Merci en tout cas d'avoir accepté le jeu de cette interview, et du premier acteur européen du logement social. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question simple. Je vous propose qu'on commence par vous, Emmanuelle Bargon. Qu'est-ce que vous attendez les uns des autres ? Le logement, c'est une politique dans laquelle on ne peut rien seul. L'État seul ne construit pas lui-même des logements. L'État fixe un cadre et une mobilisation d'acteurs. Et c'est vrai dans cette mobilisation des élus locaux. Les élus locaux sont ceux qui délivrent les permis de construire, sont ceux qui accueillent des opérations, mais aussi mobilisation des grands acteurs qui font.
Et Action Logement est le premier acteur opérationnel en France sur le logement. Donc on est fait pour s'entendre. Et je crois que c'est aussi le travail que j'ai engagé avec le président, avec le vice-président, avec la nouvelle directrice générale, de trouver la manière de travailler ensemble pour répondre aux besoins des Français. Action Logement, c'est l'un des premiers parcs de logements sociaux en France, et plus globalement d'ailleurs de logements sociaux et de logements intermédiaires. Action Logement, c'est le soutien aux salariés dans leur accès au logement et dans le lien entre l'accès au logement et l'emploi. Et je sais que c'est cher aux partenaires sociaux, que ce soit les partenaires sociaux patronaux ou syndicaux, parce qu'il y a un cercle vertueux ou vicieux entre trouver un emploi, trouver un logement, trouver un logement, trouver un emploi, et on l'entend tous les jours sur le terrain. Et donc Action Logement est forcément un acteur avec lequel on travaille. Maintenant, la question, c'est l'intensité de la mobilisation commune et l'intensité de l'alignement, si je peux dire. Parce que quand on fait des choses mal coordonnées, soit qu'on n'est pas sur les mêmes sujets, soit qu'on est un peu en doublon, et ça peut arriver, il y a une forme de déperdition d'énergie. Et moi, ce que j'attends, c'est qu'on trouve totalement notre place légitime pour que les actions soient les plus efficaces ensemble. Et donc, on passe d'une efficacité par segment à une efficacité collective de l'État, des grands acteurs, partenaires sociaux, acteurs qu'est Action Logement, et puis les autres investisseurs dans le logement, et puis encore une fois les collectivités qui sont un maillon indispensable parce qu'on ne construit pas sans l'accord des maires, et on le sait tous. Et je suis très confiante, moi, dans cet alignement, puisque les discussions sont en cours, d'où l'idée de négocier un avenant relance. Je suis confiante dans notre capacité à trouver la manière d'être efficace ensemble. Et je crois que c'est ça qu'on cherche à faire, être efficace, être utile ensemble. Merci, Madame la Ministre. Bruno Arcadipane, une réaction. Emmanuel Wargon vient de souligner l'ADN du groupe, en fait, le lien emploi-logement, cette ambition qui est la nôtre de répondre aux attentes à la fois des entreprises, des bassins d'emploi, puisque ça a été souligné à travers les élus locaux et évidemment des entreprises et des entrepreneurs. Donc voilà, c'est très clair, c'est le lien emploi-logement qui doit être renforcé et amélioré. Et puis ensuite, Madame la Ministre l'a dit également, Action Logement doit prendre toute sa place dans le plan de relance et Action Logement prendra toute sa place dans ce dernier. Maintenant, sur l'exigence que l'on partage, parce que cette exigence, elle est évidemment partagée et réciproque. Donc voilà, elle est très forte. Je crois qu'on a, on a eu des discussions directes et franches, solides. Et je remercie à la fois le cabinet d'Emmanuel, mais également la directrice générale et ses équipes, l'ensemble des partenaires sociaux qui participent activement à ces discussions. Et je suis certain que nous allons aboutir à une solution qui sera bonne à la fois pour l'État, pour les partenaires sociaux, mais surtout pour la France, pour nos concitoyens et l'ensemble de nos salariés. Donc voilà les engagements que nous sommes prêts à prendre aujourd'hui, comme c'était le cas hier, mais aujourd'hui on a la chance de pouvoir le faire de face caméra et puis avec une envie qui est démultipliée. Merci Bruno Arcadipane. Philippe Langrand. Je crois pouvoir dire que les partenaires sociaux sont très engagés et ils sont très engagés pour trouver les meilleures solutions et des résultats concrets pour les salariés, mais plus globalement d'ailleurs pour les citoyens qui sont en difficulté ou tout simplement à la recherche d'un logement ou d'une amélioration de leur logement. Ça va de la construction jusqu'aux services qu'on peut amener aux salariés. On est très engagés, on tient vraiment à cette notion du paritarisme. On est convaincu, et d'ailleurs les résultats le prouvent, amène des résultats concrets. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une période où il faut trouver un équilibre entre ce qui est du ressort des politiques publiques et donc de l'État et ce qui est du ressort d'Action Logement. Moi, je pense qu'on est aujourd'hui sur la bonne voie pour trouver les meilleures solutions. Et comme le disait le président à l'instant, avec comme objectif de trouver les meilleures solutions et les meilleurs résultats pour les salariés et les citoyens. Mais je suis assez optimiste et confiant dans la période que nous vivons actuellement. Merci Philippe Langrand. Nadia Bouillet, une réaction. Pour dire que nous sommes un acteur opérationnel, un acteur de terrain,
et que c'est bien les résultats concrets sur le terrain qui nous animent et que ce sont par nos réalisations exemplaires, efficaces, qu'on sera jugés. Donc on sera au rendez-vous, Madame la Ministre, de ce défi et on le relèvera. Alors, Madame la Ministre, vous avez été très active sur ce front-là et je vais vous demander de conclure en quelques mots. Merci beaucoup. Peut-être trois mots pour résumer mon état d'esprit et ce qui nous anime ensemble. Le premier, c'est confiance. Moi, je fais le pari de la confiance avec les interlocuteurs que je rencontre et en particulier avec Action Logement. On travaille ensemble depuis maintenant un petit peu plus de 6 mois en confiance avec le président, avec le vice-président, avec la nouvelle directrice générale. Je crois que le pari de la confiance est un pari qui marche et que faire confiance, se comprendre, s'écouter, c'est une bonne manière de produire ensemble des résultats. Le deuxième mot, c'est exigence. D'ailleurs, Bruno Arcadipane l'a prononcé. Nous avons des exigences réciproques d'ailleurs. L'État a deux exigences, en fait, une exigence que l'organisation, le fonctionnement, la gouvernance soit le plus efficace et performant possible et que la complémentarité, donc la clarification de ce qui ressort plutôt de missions de service public ou d'intérêt général et ce qui ressort des missions plutôt au service des salariés soit le plus clarifié possible. Et je crois que c'est important. Et le dernier mot, c'est responsabilité. Nous sommes tous responsables devant les Français de répondre aux besoins et aux enjeux du logement dans une période tellement particulière, période de crise économique, avec tout un secteur économique qui dépend du secteur du logement, mais aussi avec des besoins extrêmement importants, responsables face à la crise sanitaire, avec des Français qui ont passé plus de temps dans leur logement et pour lesquels le logement est devenu encore plus important que ce qu'il était, responsables face à la crise écologique, puisque le logement a été rattaché au ministère de l'écologie et moi j'en suis heureuse, parce que le logement est aussi une des solutions possibles à la crise écologique si on prend le pli de la construction durable et de la rénovation. Donc voilà, confiance, et elle est là. Exigence, elle est partagée, et responsabilité, c'est ce qui nous anime tous. Merci Emmanuel Wargon. Mesdames et messieurs, vous tous qui nous écoutez, nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez bien sûr retrouver sur tous les réseaux Action Logement l'intégralité de ces échanges. Pour vous conclure, je vais vous proposer de découvrir les vœux adressés par les partenaires d'Action Logement. Encore une fois, je vous souhaite une très très belle année. À bientôt. Longue vie à Action Logement 2021, 2022, 2023. Je souhaite à Action Logement tous mes voeux de succès. Action Logement a maintes fois eu ces derniers mois l'occasion de démontrer son utilité, sa légitimité. Je souhaite à Action Logement en 2021 de ne pas douter de son modèle et de l'incarner pleinement. Je souhaite surtout une longue vie, une belle renaissance à Action Logement. J'ai vu un modèle qui était présent sur tous les territoires, j'ai vu un modèle qui était capable de soutenir une activité très forte en termes de construction, et j'y vois un modèle qui va prendre des engagements de rénovation pour la partie du parc qui ne répond pas à des critères environnementaux élevés. Le maître mot pour Action Logement, c'est d'être utile. Être toujours meilleur, toujours plus fort et tourner vers les enjeux d'avenir. Aujourd'hui, ils sont clairs, c'est accompagner la relance, accompagner les salariés clés, c'est accompagner la transformation aussi des logements pour répondre aux enjeux climatiques. Et je souhaite que cette action continue, s'intensifie et je serai aux côtés d'Action Logement pour mener à bien toutes ces politiques publiques et ces résultats déjà très concrets que j'observe sur le terrain. Donc bon courage à tous. Main dans la main, tous ensemble, on peut y arriver. Action Logement peut y arriver. Rebâtissez un très très grand projet pour les Françaises et les Français partout sur le territoire, notamment dans les territoires les plus fragiles. Et merci à tous pour votre action. Qu'il soit permis à Action Logement de continuer à être un acteur majeur du soutien au logement social et l'accès au logement des salariés. Je formule 2 vœux pour le groupe Action Logement et ses 18 000 salariés. Encore plus d'efficacité pour mieux répondre aux besoins des entreprises, de leurs salariés et des territoires. Et puis, la réussite de la poursuite de la réforme. Les partenaires sociaux sont au travail. Cette réforme réussira si on respecte les spécificités du groupe. Bonne année à toutes et à tous. Que mes vœux accompagnent l'ensemble des mandataires et toutes les équipes du groupe Action Logement.